Salut à tous, une vidéo qui sera pratique et qui concerne, dirons-nous, les certificats qu'on peut trouver sur les sites internet. Certificats, c'est ceux qui permettent d'autoriser un site à être chargé en mode sécurisé, le HTTPS. Firefox 63, qui va sortir au mois d'octobre, contient quelques petites sécurisations à ce niveau, et c'est à peu près la même chose pour le Google Chrome équivalent, je crois que c'est 66 ou 67, bref, peu importe. C'est-à-dire que récemment, j'ai voulu aller sur mon compte PayPal, je sais c'est mal, j'ai un compte PayPal, et voici ce que j'ai eu comme réponse. Voilà. Warning. Attention, risque de sécurité potentiel. Et je ne peux pas y accéder. Parce qu'il considère que ma connexion n'est pas sécurisée. Et j'ai cette erreur, PackX, National, ouais, bref. J'ai fait quelques recherches et je me suis aperçu que c'était lié à des histoires entre Symantec, qui a fait pas mal de bêtises, et Fox, enfin Google Chrome et Mozilla, qui ont décidé de dire « Tu as joué au con, certificats, on les fout à la poubelle. » Voilà ce qui était écrit par Next Impact il y a plus d'un an. Ça remonte à un an. C'est bien précisé, d'ici octobre 2018, ménage et certificat de Chrome. On est en septembre 2018. Donc, Chrome 66, c'était le 70 qui est prévu pour octobre. Donc, c'est Chrome 70. Mozilla Firefox, c'est la même chose. Parce que si on regarde sur la page du wiki, qui décide que pour octobre 63, pour octobre 2018, il n'y aura plus de support des greffons, enfin des certificats Symantec. Et donc, par extension, PayPal est concerné, ce qui est un brin ennuyeux. Voilà. Donc, il y a bien sûr un bug qui est ouvert pour faire de l'évangélisme technique. Voilà, donc il y a quand même eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 bugs marqués comme doublons. Et on en est à quelque chose comme... voyons, plus quelque chose comme 114 commentaires. Et d'ailleurs, si on va sur le site qui liste les différents, qui permet d'insérer des listes pour savoir où ça en est au niveau du passage à des certificats plus sécurisés, je vous laisse admirer. Browser Firefox. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a pas mal de tout ce qui est... voilà. C'est surtout... Voilà. Secure... même IBM. On va sur IBM.com. Même le site d'IBM n'est pas considéré comme sécurisé à cause des conneries de Symantec. Donc, pour contourner ceci, apparemment, il y a une valeur à saisir, une valeur à modifier dans la boîte config. Si vous pensiez être tranquille avec Google Chrome ou Chromium, niette, c'est pas mieux. Donc, il y a une valeur qu'il faut modifier. Alors, voyons, je retrouve. Voilà, c'est ça qu'il faut modifier. Donc, je vais lancer, je note ça dans un bloc-notes. Et je vais lancer un Mozilla Firefox 63 compilé hier parce que j'ai pas encore le temps de compiler un aujourd'hui. Donc je fais Firefox avec un profil. Moi, P et. Voilà, je vais créer un nouveau profil. Voilà, donc là je crée un nouveau profil et je vous prouve bien qu'avec un Firefox 63 et un profil tout propre, un Firefox 63 parce que c'est une version 63 quoi, si je vais sur PayPal, boum, donc on va dans le About Config, j'accepte des risques et on recherche cette valeur, même si c'est déconseillé de le faire, donc là. On va le modifier en 1. Et maintenant, si on essaie de recharger PayPal, est-ce que ça va fonctionner?
Voilà. Tout simplement. Donc vous voyez comment contourner un bug lié aux conneries faites par Symantec, qui avait proposé je sais combien de certificats qui n'étaient pas franchement blanc-bleu. Donc vous avez le contournement. Ce n'est pas franchement conseillé. L'idéal, c'est que les sites se décident à corriger leur certificat. Mais au moins, vous saurez comment le contourner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao!